فتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله من قائل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Loin, يا الله Seigneur de l'univers, il nous a accordé tant de bienfaits, il nous a créé des néants, et il a voulu pour nous le paradis. C'est pour cela qu'il a envoyé les messagers munis des livres, des révélations. Et ici, il nous met en garde contre notre ennemi commun, juré, qui est le diable. Il dit, ô homme, la promesse de votre Seigneur, la promesse d'Allah est vérité. Qu'est-ce qu'est la promesse d'Allah? Rabbana innaka jami'un nasi liyoumin la rayba fi inna Allah la yukhlif al-mi'ad. Seigneur, tu rassembleras les gens un jour, en ce quoi il n'y a aucun doute, point de doute en ce jour-là. Dieu ne manque jamais à sa promesse, jamais, manque jamais à sa promesse. Et Dieu le Très-Haut dit, Kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyam. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور La promesse d'Allah est que nous le rencontrerons certes, que ce bas monde, toute âme goûtera la mort. Nous sommes là jusqu'à un certain temps et nous allons tous quitter ce bas monde, et c'est seulement au jour de la résurrection que nous serons rétribués pleinement. Quiconque est écarté du fait de l'enfer et introduit au paradis aura cette réussite. Que Dieu nous l'accorde. Donc, ce qui est la promesse d'Allah, que Allah est unique et que ce bas monde est éphémère et tout ce qu'ils y trouvent est éphémère. Et que l'au-delà est une vérité. Que As-Sirat haq, Al-Hisab haq, Al-Qiyam haq, Al-Jannah haq, Al-Nar haq. Que tout ça c'est une vérité, nous le verrons. Donc c'est très important que ce bas monde ne doit pas alors nous tromper. Voilà, que ce bas monde ne laisse pas ce bas monde se tromper. Voilà, yaghurrannakum billahi al-gharur. Que le grand trompeur aussi ne doit pas vous tromper. Le grand trompeur, c'est le diable. Pourquoi? Il est pour vous un ennemi. Pourquoi il est pour vous un ennemi? Il ne veut que appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise, des grands hôtes de la fournaise. Donc, quand une personne veut de toi pour que tu sois hôte de la fournaise, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Inna ahwan ahli nar azaban rajulun tuda » في أخمص قدميه جمرتان فيغلي منهما دماؤه. La personne qui a le tourment le plus léger dans le feu de l'enfer, c'est une personne qu'on a mis sous ses pieds deux braises qui fait bouillir sa cervelle. Donc, quand la personne, pour son objectif, l'objectif à lui, c'est de jeter dans le feu de l'enfer, dans la fournaise. Donc, c'est un ennemi commun, un ennemi juré, un ennemi déclaré. Ne le laissez pas donc de vous tromper. Mais il connaît très bien nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, « Lama sawwara Allahu Adam fil jannah,
تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به فلما رعاه أجوف عرف أنه خلق خلقا أو خلق خلقا لا يتمالك. Il dit quand Dieu a façonné l'être humain, Adam, il l'a modelé au paradis, il l'a laissé le temps qu'il a voulu qu'il soit. Et Satan venait se tournoyer autour de lui, il le contemplait de près. Quelle est cette créature? Quand il a constaté qu'il est cru de l'intérieur, il a su que c'est une créature qui ne peut pas se contenir, ne peut pas se maîtriser. C'est là la faiblesse de l'être humain. Ne pas se maîtriser, ne pas se contenir devant ses désirs. Désir charnel du sexe, désir du ventre. C'est le désir où se trouve la faiblesse de l'être humain. C'est là aussi où Satan s'active. C'est pour cela que Dieu le Très-Haut, il nous exhorte de ne pas suivre les pas du diable, les traces du diable. Et les pas du diable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout est clarifié. Ibn Mas'ud dit khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan fa qala hadha sabilullah wa khatta an yaminihi wa shimalihi khututan fa qala hadhihi subulun wa ala kulli sabilin shaytan yad'u ilay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un trait droit. Il dit voici la voie d'Allah, le chemin d'Allah. Il a fait à côté de cette voie beaucoup de traits. Il dit, voici les sentiers. Et chaque sentier, ils y trouvent un Satan qui appelle à ce sentier. Après, il dit, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Voici mon chemin. Dans toute sa rectitude, suivez-le. Ne suivez pas les sentiers qui vous écartera du chemin d'Allah, de la voie d'Allah. C'est ainsi Allah vous enjoint afin que vous atteindrez la piété. Et la piété n'est autre que de mettre une barrière entre toi et la colère d'Allah, entre toi et l'enfer, entre toi et la tentation du diable. C'est le bon comportement, c'est le bon comportement, c'est la maîtrise de soi devant les désirs charnels, devant les désirs du ventre. Et c'est très important, c'est pour cela, dans le Coran, ce mot « khutwat » qui veut dire les pas du diable ou les traces du diable fut employé quatre fois, quatre reprises. Et chaque fois dans la forme de l'interdiction, car nous ne devons pas vraiment suivre les pas du diable, les traces du diable. Et ils sont liés étroitement au désir charnel, au désir du ventre. Dieu le Très-Haut dit, « Ya ayuhannas, kulu ma mimma fil ard halalan tayyiban » ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il dit oh les gens ne mangez ce qui se trouve de ce qui se trouve sur la terre, mangez licite et le pur, ce qui est pur et licite. C'est très important car le sentier de Iblis c'est ce qui il est impur. Il tourne autour de ce qui est impur et aussi illicite. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu nas yaoudou fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Il dit chaque matin, les gens vont pour faire le commerce de leur âme. Il y en a qui le vend au diable. Le diable, il mange ce qui est impur et ce qui est illicite. Et c'est l'enfer. Il y en a qui le vend à Allah et il lui donne en contrepartie le paradis. C'est des gens qui se maintiennent sur le droit chemin, sur la bonne voie, la voie directe. Donc c'est très important. Si tu veux savoir, est-ce que tu suis le sentier du diable ou le chemin d'Allah, la voie d'Allah, demande-toi, interroge-toi vis-à-vis de ta nourriture. Quelle la nature de ta nourriture? Est-ce qu'il est pur ou impur? Est-ce qu'il est licite? Comment il a gagné? C'est très important. C'est pour cela, les bêtes mortes, le porc, par exemple, et aussi l'alcool, c'est important de s'éloigner, car ça fait partie de ce type d'abomination des œuvres de Satan que l'être humain vraiment doit s'écarter. Et aussi la fornication. Tout cela, c'est des sentiers, fait partie des sentiers du diable, là où il s'active vraiment d'égarer l'être humain.
Donc ici, Dieu le Très-Haut dit, il dit manger de ce qui est licite et pur, ne suivez pas les traces du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il ne fait que vous commander, il ne vous commande que la turpitude et le blâmable. La turpitude et le blâmable. Et il vous encourage de dire contre Allah ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire l'association. Donc c'est très important d'identifier les sentiers d'Allah qui sont nombreux, sont multiples, de s'éloigner complètement. Et cela veut dire quoi? De se maintenir sur le droit chemin et se doter de bons comportements. C'est pour cela, la troisième fois quand Dieu emploie ce mot, Khotwati Shaitan, il dit Ya ayyuhallazina amanu, udkhulu fi silmi kafatan, wa la tattabi'u khotwati shaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Vous qui croyez, entrez en plein dans l'islam. Et l'islam ici, il emploie le mot asilm, qui veut dire la paix. La paix. Quand la personne rentre entièrement en islam, il est en paix avec soi-même. Il est en paix avec son entourage. Il est en paix avec son Seigneur. Car c'est un bon comportement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna akthara ma yudkhilu an-nas an-nara al-fam wal-faraj. Il dit la chose qui fait entrer le plus de gens en enfer, c'est la bouche et le désir charnel. La bouche. Donc c'est très important. Et on lui a demandé aussi, qu'est-ce qui fait rentrer le plus de gens au paradis? Il dit, taqwa Allah wa husnul khuluq, bon comportement et la piété. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fa astaghfirunna wa furur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam, ala al-mabous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, Dieu le Très-Haut, alhamdoulilah, nous a pas laissé comme ça. Il nous a envoyé des messagers, munis de messages, de révélations, afin de nous montrer la voie droite qui nous mène vers notre Seigneur. Et il nous a exhorté d'éloigner des sentiers du diable. Et dans d'autres versets, là où il parle de ces sentiers, il dit « Yahu allazina amanu la tattabi khutwatu shaitan » ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يعمر بالفحشاء والمنكر فإنه يعمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء إن الله سميع عليم. Dans ce verset coranique, Dieu le Très-Haut, il dit, vous qui croyez, ne suivez pas les traces du diable, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, il doit savoir certainement que le diable n'ordonne que le blâmable et la turpitude. Le blâmable et la turpitude. Nul n'était la grâce d'Allah sur nous, aucun d'entre nous ne sera purifié. Et Allah nous purifie. Comment il nous purifie? Par le repentir. Par le repentir. Car les suyures, les péchés sont des suyures qui nous suivent et qui rendent la personne, le comportement de la personne impure, car l'être humain même n'est jamais impur, son comportement impur. Il sera purifié par quoi? Par le repentir. Car par le repentir, Allah accueille son repentir et lui pardonne aussi. Et aussi par des épreuves. Des épreuves qu'Allah nous fait subir. Ils ont pour but pour nous purifier. Et donc c'est très important de faire attention au sentier du diable. Et si vous voulez savoir vraiment, est-ce que je suis sur la voie d'Allah ou je suis le sentier du diable, demande-toi comment tu gagnes ta vie. Comment tu gagnes ta vie? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu te nourris? C'est là où se trouve vraiment la différence. Est-ce que tu fais attention à ce qui est licite et illicite, ce qui est pur et impur? Donc c'est très important. Donc ça c'est très important pour eux, ceux malheureusement qui n'ont beaucoup, qui consomment l'alcool, beaucoup qui ne s'abstiennent pas de la fornication, beaucoup qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent concernant les bêtes mortes ou quelque chose. Donc il faut faire attention car cela se trouve vraiment les pièges du diable et essayer vraiment de nous égarer car l'objectif principal du diable c'est de faire de nous les grands hôtes de la fournaise et du zangar. Et Inch'Allah, nous allons continuer à raccourcir le khutbah jusqu'à ce que le temps diminue et on fera tout pour que tout finisse Inch'Allah à 25 minutes.
Donc nous prions Allah qu'Allah nous préserve et préserve nos enfants. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka tawwabur rahim. Allahumma ihdina fi ma hadayt wa afina fi ma afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wasrif anna as-su'a ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk. Allahumma la yudillu ma hadayt wa la yuzillu ma alayt. Bidikal khair kullu ya rabbal alamin ya rahim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asik, min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. Mati'ina bi asma'ina wa adwadina wa ذريتنا عبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا رب الرحيمين. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحيمين. اللهم اصلح اولادنا وازواجنا وذريتنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلنا للمتقين اماما. ونسالك كل خير سالك به نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب الرحيمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. On a des frères qui ont des problèmes de santé, aussi conflit conjugal, il y a beaucoup de problèmes, inshallah. Nous prions Allah qu'Allah absout leurs péchés aussi et résout leurs problèmes, inshallah. Comme la salat et alhamdoulilah. Nos frères vont passer.